Discord. Tu sais qui je suis. Je vais compter jusqu'à 3. Fais 3. Désolé. Mais pressé. Oh, mais je suis pas seul. Tiens bon, frère. Dis-moi, ça te lasse jamais de massacrer des hordes et des hordes de démons? Non. Ouais, moi non plus. Merde, bordel, c'est quoi ça? On dira ce qu'on voudra de Samael, mais bon sang, il sait comment faire une entrée. Cavalier Samael, vous m'avez évité d'avoir à vous retrouver. Si vous ne représentiez pas une telle gêne, je serais presque impressionné. Moloch, ton manteau de sang est détruit. Tu ne peux plus te cacher derrière la magie noire de Lucifer. Maintenant, tu vas tout nous dire sur son plan. Et ensuite, tu saigneras. Belle parole. J'aurai plaisir à t'étouffer avec pendant que mon armée observe. Tout le monde connaîtra enfin la supériorité de Moloch. C'est votre combat, cavalier. Je vais simplement profiter du spectacle. J'attendais ce moment. Il n'y aura pas de pitié. Venez à moi, cavalier. Je vais me délecter de votre destruction. Ça promet. Allez, c'est parti. Vous avez vaincu des démons inférieurs. Ok. Et vous allez voir que je suis d'une toute autre espèce. Ça me plaît. Allô, la vie? Elle descend, là? Oui, elle descend, mais... De suivre. Pas non plus, doucement, quoi. J'ai appuyé sur le bouton. Ah bah là, c'est magnifique, je vois même pas si je le touche ou pas. Putain, et je vous jure, j'appuie sur esquive. Non mais... Le cristal vient de s'invoquer, j'ai même pas eu une demi-seconde pour l'esquiver, quoi. Magnifique. Ouais, bah, il fait un tout petit peu trop mal, donc ce que je vais faire, c'est que, avec Guerre, je vais courir. Je ne vais jamais l'affronter avec Guerre. Je vais attendre tranquillement qu'il revienne à la vie, là. Voilà. Je sais, ça m'aide, hein, y'a pas de problème, mais...
Là j'avoue que tu m'aides pas, là je préfère largement que tu combattes avec moi. Parce que là... Putain, la caméra... Mais... La caméra qui me fait pas voir l'ennemi, du coup je sais pas où je tire, c'est débile, c'est absurde. Oh, j'ai appuyé. On va faire un seul coup de son épée, ça retient parce que la moitié de ma vie. Oh non mais... Mais juste le fait d'approcher du cristal alors qu'il explose pas, ça me fait des dégâts. Attends, la fin de KO. Ok, je peux plus avoir comme ça. Votre défaite est inévitable. Aïe 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 aïe, les esquives. Les esquives du jeu sont horribles. Horribles. Quand le jeu se base uniquement là-dessus, en plus là pour combattre boss. Mais c'était pas du tout la bonne arme. Non mais, et je vais péter un plomb. Je viens d'utiliser une potion, il m'a tué en un coup. Ok, je ne fais plus avoir comme ça. Craignez pour moi. Essayez de suivre. Une forme de chaos, s'il vous plaît. Allez, la forme de chaos. Je finirai easy, ce serait une manière épique, allez. Ah, le... La victoire. C'est bon, tout va bien. Tes promesses. Oh,
non, t'as encore cassé ton épée. Ah bah d'accord. Bon bah, c'est fini. Allez-y, cavalier. Tranchez sa misérable tête. Vous l'avez laissé vous manipuler, cavalier. Commence à me lasser des démons et de leurs menaces. Ah, je ne suis plus une menace. Vous avez accompli les desseins de Lucifer. Accompli ? Comment ça ? Vous devriez vous méfier de votre entourage. N'est-ce pas, Samael ? Leur as-tu parlé de la force ? Ce démon ne savait pas tenir sa langue. Ouais. Qui peut savoir ce qu'il aurait dit ensuite ? Je crois que tu le sais, Samael. Qu'est-ce que cet animus ? Que dissimules-tu ? Je suppose que je vous dois la vérité, mais pas ici. Vite, traversons le portail. Samael, tu nous as menti pendant tout ce temps. Non. J'ai simplement omis quelques vérités gênantes. Mais maintenant, je vais vous dire tout ce que je sais. Une modeste pénitence pour vous remercier de vos services. Je te souhaite que ce soit une histoire courte. Après que les Néphilim aient été anéantis, Lilith est venue à moi. Lilith, évidemment qu'elle a un rôle dans cette histoire. Elle était folle de chagrin et m'a demandé mon aide pour orchestrer sa vengeance contre le Conseil. Contre vous, cavalier. Pour le rôle que vous avez joué. Mais surtout contre les humains qui avaient fui Eden, que Lilith considérait être injustement privilégiée par rapport aux autres. Et tu as cédé. J'ai refusé de l'aider. Je respecte l'équilibre, après tout. Et puis, je préfère que le Conseil ne s'immisce pas dans mes affaires. Ils ne sont que, pour mon plus grand plaisir, mes rivaux ont apprise avec une finalité amusante. Tous, sauf un. Lucifer. Oui. Lorsque Lilith l'a rencontré, il attendait sa venue avec impatience, avec des desseins abjects, rivalisant même avec les siens. Ensemble, ils ont alors créé l'Animus, dans le but de corrompre l'humanité. L'Animus est une influence ténébreuse, séductrice, emplie de malice et d'avidité. Pour alimenter l'Animus, Lucifer a conclu un accord avec les maîtres, conférant à chacun d'eux le pouvoir à un prix élevé. Ces imbéciles ont accepté, croyant qu'ils deviendraient invincibles. Il m'a fait la même offre. Vous imaginez cela ? Quel culot ! Quel était le prix, Samael ? Leurs âmes. Elles leur seraient réclamées au moment de leur trépas. Pendant tout ce temps, on a aidé Lucifer. Et toi, tu savais ? Samael, qu'as-tu fait ? Mes mains sont propres, cavalier. Vous avez suivi les ordres du Conseil, pas les miens. Moi, je vous ai simplement montré la voie. Tu ne peux tout de même pas me reprocher de pouvoir voir mourir mes rivaux. Tu répondras de tes actes. Une autre fois, peut-être. Je vous ai promis Lucifer et je peux vous envoyer à lui, si vous le souhaitez. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Moloch a dit la vérité. Peut-être pour la première fois de sa misérable vie. L'œuvre de Lucifer est terminée. Il a découvert le nouveau monde où vit l'humanité, la Terre. Puis il a utilisé l'Animus pour la corrompre. Vous trouverez les humains changés. Envoie-nous sur Terre. Adieu, cavalier. Ça a été un plaisir. Ok, bah voyons voir. Je pensais que c'était la fin, mais... Et maintenant, c'est au Conseil de décider du sort de l'humanité. Pas à nous. Nous avons aidé Lucifer à créer cela. Impressionnant, n'est-ce pas ? Quand on parle du loup... La vie telle que la connaissaient ces créatures avant était insignifiante. Elles chuchotaient des histoires autour du feu, cherchaient parmi les étoiles des réponses à leur pathétique existence. Je suis la réponse. Voyez comme elles s'adaptent vite. Maintenant que leurs yeux sont ouverts, elles ressentent tout ce que leur a refusé leur créateur.
La peur, la haine, la luxure. Et peut-être vont-elles fonder un troisième royaume avec lequel il faudra compter. Jusqu'où est-ce que ça s'est répandu? Désormais, qui peut le dire? Tu vas tous nous tuer, pour être sûr. Cours, gamin. Éloigne-toi du village aussi loin que tu peux. D'accord, ça finit comme ça. Bon. Et ben on se retrouve après le générique. Vous avez prouvé que vous êtes de valeureux soldats du Conseil, que votre volonté et votre service demeurent inébranlables pour l'éternité. Grâce à vos efforts, l'humanité perdurera, bien que changée à jamais par le complot de Lucifer. Abattre les humains agressifs que vous avez rencontrés était une tâche sans aucun doute sinistre, mais nécessaire. Une tâche qui déterminera peut-être la fondation du troisième royaume. Le temps nous l'apprendra. Ce qu'il reste des humains doit être surveillé de près, protégé. Écoutez, avec les 7 sceaux qui ont été forgés, un grand traité sera conclu au nom de l'équilibre. Ceux qui le briseront devront affronter la fureur des cavaliers. Que notre volonté se manifeste dans les sceaux. 3 sceaux forgés par les enfants des cieux, 3 sceaux par les habitants des enfers, et un dernier sceau, né de notre propre sagesse. Le Conseil a parlé. Et on sait ce qu'il en est du coup grâce à Darksiders, premier du nom. Alors le défi ultime pour les vrais cavaliers, vous pouvez ajouter la difficulté, oui c'est ça, t'as raison. Allez, bon bah du coup, les amis, un jeu assez particulier, on va pas se mentir. C'était sympa à faire, mais s'il y a bien un jeu que je me referais pas, ça serait bien celui-là, je pense. Donc voilà, il est sympa, mais clairement, je pense qu'il est designé clairement pour être joué à deux. Je pense que ça doit être très très fun à deux, mais tout seul, voilà, c'est un peu particulier. Bref, les petits amis, c'était donc le dernier jeu à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, de la série des Darksiders. On se retrouve très bientôt pour une suite, un nouveau Let's Play. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Ciao les amis.